l'époque, c'était le directeur de cabinet, M. Rudy Stephenson, qui faisait office de directeur de cabinet. Donc, à la suite de ce mouvement, qui me dit, allons voir ce qui se passe. Moi, c'est tout naturel, tout normal que je dis, d'accord, on y va. Mais j'étais loin de penser que ça allait prendre cette tournure. Mais avec beaucoup de recul, même les jours qui suivaient l'événement, je me dis, oui, il fallait, je pense, que ça se fasse. Ça devait se faire comme ça. Suivez l'info sur Guyane la Première.